Eh bien salut YouTube, bienvenue pour cet épisode numéro 4 de notre let's play sur, sur Stray. J'espère que vous allez bien. On est toujours devant la porte avec Momo. Alors juste comme on a rechargé le jeu, il est plus en train de l'ouvrir, heureusement, parce que le pauvre, s'il avait dû attendre une semaine les bras tendus au bord de cette magnifique chaîne, je pense que quelqu'un de robotique, il aurait peut-être perdu ses bras et la porte serait restée fermée à tout jamais. Donc on va reparler à Momo et on va découvrir ce qu'il y a justement derrière cette porte. Et je vous rappelle tout simplement qu'on devait aller retrouver les amis de Momo. Je crois que c'était Balthazar ou je sais plus quoi. Enfin bref, il y avait 2-3 personnages à les retrouver qui s'étaient échappés de ce monde souterrain envahi par les Zurks. Je crois, si je me trompe pas, j'ai oublié un peu les noms. Vous savez, les espèces de tiques un peu dégueulasses. Donc on doit s'échapper et retrouver nos amis chats qui nous ont tout simplement vu tomber, je vous rappelle, dans le tout premier épisode que vous pouvez tout simplement aller visionner si vous ne l'avez pas vu. Alors, que nous dit Momo? Cette vieille machinerie est complètement cassée maintenant. Je crois qu'il vaut mieux l'ouvrir manuellement. Vas-y Momo, on te regarde. Nous, pendant ce temps, on s'échauffe les coussinets. Toujours accompagné de B12, bien sûr, qui est le petit robot. L'ami d'Ulysse. Non, ça c'est un autre... C'est un autre chose, ça. Ok. T'as, par contre, t'as de la force, Momo. Hein. J'avais oublié à quel point t'étais une machine. Hein. C'en est une, donc c'est normal. Allez, on y va. Faut pas que j'oublie. I am a cat. Et je peux me déplacer comme un cat. Je vais pas venir avec toi. Je continuerai de chercher une sortie. Quand tu t'ouvras, Balthazar. Voilà, c'est ça son blaze. Et Clémentine, dis-leur que j'ai fait preuve de courage. Non, je dirais que t'as été nul, Momo. Que j'ai tout... Oh merde. Alors, je me rappelle plus des touches. Là, ça va être compliqué parce que comme j'ai dit, là, les touches sont... Ah zut. Oh, attendez, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, je vous remets le son normalement. Je me rappelle plus des touches. Je crois que c'est pour... La lumière, c'est quoi déjà? Ok, la lumière, c'est L1. Pour tuer les Zurks. Je vous rappelle que mon seul moyen de les tuer, c'est avec cette lumière rouge ou alors de fuir. C'est vrai que je peux monter comme ça, like félin. Donc normalement il y a des collectifs, faut pas que j'oublie également. C'est un peu ma grande vie. J'adore ça. Ah, je pensais que je pouvais passer. Oh, intéressant, on a l'air d'être dans une machine. Je pensais qu'on était dans une usine à première vue. Là où ils créent les robots, genre Momo, le gardien, tout ça. C'est vrai que c'est pas très accueillant, il y a des pustules, là on dirait des verrues. Ça fait du bruit. Pardon, excusez-moi. Cours le chat! Pardon. Aïe! Cours le matou. Ils sont bloqués? Oh, ils sont bloqués par l'échelle. Mourez! Donc on va peut-être éviter d'éclater les pustules, hein. Parce que là, on a voulu faire le malin, on a voulu faire le mec professionnel. On s'en est mordu les doigts. On n'est pas mort encore sur le jeu. C'est une première. Donc je sais même pas comment ils ont modélisé ça. Genre, il se fait bouffer après par les Zurks. Oh, dégueu. Si c'est cette fin-là où ils ont pensé. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à récupérer juste en dessous. Hein. Apparemment, non. Par contre, on lui a toujours pas trouvé de nom à ce chat. On va éviter les noms classiques genre Félix et tout le tintouin là, parce que c'est pas ouf. Oh, il y a plein de Zurks là. Oh, super. Avec les yeux jaunes qui te regardent. Toujours un régal. Je peux descendre là? Oui. Vas-y, passe de l'autre côté, mon pote. Tombe pas, hein. On t'a déjà vu faire des chutes de l'espace. Bonjour, mais... Oh merde, oh putain. Est-ce que je les casse ou pas? En vrai, je crois qu'il faut que je les casse. Hein. Mourez! Ah! C'était une connerie. Ah, vous pouvez pas venir, bande de nuls. Hein. Ah, par contre, ça surchauffe hyper vite. Tu veux pas installer une batterie un peu meilleure? Ah, ça surchauffe beaucoup trop vite, hein. Moi je fais trop le malin, je me crois dans Call of Duty. Le problème c'est que je vais m'en mordre les doigts à un moment, c'est sûr. Bon.
Je crois que je vais pas les casser en fait. Ah si, quand je m'approche trop, d'accord, il s'ouvre. Ok, je viens de comprendre le... Je viens de comprendre. Allez, meurs. Donc il faut pas que je m'approche ou alors il faut que je les casse. Faut faire un nom original pour le chat, effectivement, parce que sinon... Sinon c'est la merde. Allez hop, esquive, on laisse refroidir. Voilà, donc on va faire ça comme strat. En vrai, je vais tout ratatiner. Je vais tout faire disparaître. Allez, je vais même faire. Regardez, je fais ça. Comme ça, je nique pas trop de lumière. Voilà, ça c'est la bonne strat. Je vais tous les réveiller et j'utiliserai ma lumière au moment opportun. Regardez. Venez, venez! Venez, bande de merde! Réveillez-vous! Oh putain, y'a du monde, hein. Ah voilà! Impeccable! Oh putain. J'ai peut-être un... Ah! C'est bon. Tout va bien. B12, il est refait. Le sniper. On appelle le sniper dans le domaine. Vas-y, ouvre-toi. Parfait. Il en reste quoi? Il reste un gros, là. Ok, on refait ma strat. Ok, parfait. Heureusement, il court, hein. Il court le furet, hein. Putain, ça explose. Tiens, je vois absolument... Je suis sûr que vous voyez la même chose, là. On est tous passés par là. Les petits boutons qui explosent sur le miroir. C'est la même chose. Quand je les tue avec la lumière, là. Regardez. Hop là! Vive l'acné! Le plaisir. Allez, sortez là, vous êtes les deux derniers, vous cassez un peu les pieds là. Hop. Voilà, impeccable. Ça c'est propre. On m'appelle le nettoyeur. Bon, après ce petit moment de récré. À exterminer des zerks. Oh merde. Ah c'est sympa ça. C'est bon? Hop, ça déclenche. Hop. Mais ils sont trop nuls, frère. La puberté, quel plaisir. Ah bah, les premiers poils au pubis et tout, on est très contents, hein. Ça devient... Alors, c'est normal que la musique, elle ait un bruit chelou, là. On a l'impression qu'elle est possédée. Ouais, elle est bizarre, la musique, hein. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai un problème dans mon micro. Enfin, dans mon casque, plus précisément. Dans mon micro-casque. Ah, c'est vrai que je pourrais dire les deux. Donc, est-ce que je peux aller dans l'eau? Non, ça a l'air d'être trop profond. Bon, on va continuer par là. En espérant pas louper des... Oh, bonjour messieurs! Vous êtes prêts? Kamehameha! Oh! Pardon. J'ai fait le malin. Je suis presque tombé dans... Oh non, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui montrait un... J'avais peur qu'il y avait... j'entendais un bruit de ferraille. Je me suis dit, il y a un zerk qui arrive, là. Il est vénère. Et... Ah, ça va. Alors, c'est pas oppressant. Alors, voilà. Ça, c'est quand vous êtes sur Twitch. Ben, je vous vois... Vous êtes comme ça. Je vous vois comme ça. C'est des yeux qui me regardent. Super. Le j'adore. J'adore. Et salut, Steph. Comment tu vas? Ça parle de poils. Aucune... Non, mais... Oh là. Non mais je m'en vais si vous voulez, hein. Ça c'est les viewers Twitch, ils font peur, hein. Ils font faire des pompes et tout. Je communique avec vous. Venez en paix. Je viens doucement. Ok, il est vénère. Ok, je vais... Oh putain, bonne merde. Oh putain. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Mais allez, rien, je lui ai dit... J'ai dit ok, ça a niqué... Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Steph, pour Aurore. Je mettrai les annonces plus tard, comme ça vous pourrez en profiter. Merci beaucoup, il fallait absolument pas. Tiens, c'est encore le bordel. Oh, j'ai eu très peur. C'est, en fait, ça, ils explosent pas instant. C'est ça qui est un peu stressant. Oh, faut encore que je fasse les pustules. Allez, les pustules. Oh là, y a un peu de monde, les potes, y a un peu de monde. Cours, Forest. Ok, parfait. Non mais je deviens trop chaud en vrai. Ah.
Voilà, va-t'en. Hop, on va réactiver les boutons. C'est comme la guerre des boutons avec des... Oh putain. Ré. Non, je n'ai pas dit de gros mots, c'est totalement faux. Je peux les niquer les yeux à votre avis? Oh là là, c'est le bordel. Est-ce que... Pensez que je peux... Attends, il y en a encore d'autres là. Dégage toi. Pensez que je les tue ou pas? Ouais, tu serais mort avec une lumière violette dans les yeux comme ça, je peux te dire que... N'importe quel ophtalmo t'aurait dit monsieur, vous avez perdu la vue. Vous allez pouvoir chanter du Gilbert Montagnier sans problème. Vous serez RP au possible. Allez hop. On casse tous les boutons. Moi je fais du nettoyage, j'ai pas le temps. Voilà. Non mais c'est bien, on commence à bien gérer le truc. Vous avez vu? On a step up. Là, par contre dans les gros boutons ils sont pleins hein. Alors non, je crois qu'on doit passer par les égouts parce que c'était le seul moyen d'accéder à la surface, si je me trompe pas. Alors que tout le monde disait que c'était l'endroit le plus chiant, mais heureusement avec la petite lumière et l'aide du doc, hein, parce que ah c'est vrai que le doc et Momo ressemblaient. Alors c'était pas Momo, c'en était un autre, bah, c'était son fils. Il ressemblait à au doc et à McFly. Non pas si c'est non c'est pas McFly. Si, c'est Marty McFly dans Retour vers le futur. Non mais c'est un enfer là, les yeux là. Attendez, j'aimerais bien tous les niquer d'un coup, quoique. Ok, parfait, je suis trop fort. Oui, pour le faire trop fort. Hop là. Aïe aïe aïe. Lâchez-moi. Bande de tics. Hop, allez, les deux derniers. Voilà, parfait. Moi j'aurais mis des coups de griffe en vrai hein. Ah, je serais bien allé par là. Je sais pas, il y a une ouverture, moi j'y vais hein. Bon, merci beaucoup les yeux. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. En espérant pas vous revoir tout de suite. Gauche ou droite? On va quand même aller à gauche pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Je peux descendre. Oh. Je sens le collectible. Ou peut-être pas. Oh, le collectible. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Se rappeler. Oh, sympa ça. Oh. Alors, d'une ou tout, B12. Cette substance pousse partout où il y a des urques. De quoi est-elle faite? On dirait qu'elle palpite comme si elle était vivante. Tu crois que nous sommes à l'intérieur d'un organisme vivant? Ça fait froid dans les processeurs. Excellent, froid dans le dos. Oh non, j'en ai loupé un! J'ai très envie de faire demi-tour pour le récupérer. Oh non. Oh non, je suis dégoûté. Oh non, je suis dégoûté, il m'en manque un. Je peux aller de l'autre côté, là? Non, je peux pas. Oh non. Oh non, tous ces efforts. Non, mais c'est sûr qu'il est beaucoup plus tôt dans le jeu, il est avant ça, c'est sûr. Après, j'allais dire, à tout moment, je fais un petit détour. Hein. Ah, mais je peux plus y accéder, là, je pense, là. Et ouais, c'est trop tard. Je peux plus y aller. C'est terminé. Faudra recommencer le jeu pour l'avoir à 100% si jamais je veux faire le 100%. Ça, c'est pas sûr. Pas de soucis, Aurore. Hop. On continue par là. Encore des testicouilles. On est en pleine puberté ici. Oh merde. Alors, attendez, je vais essayer de... De les ré... Aïe 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 aïe. Ok. Ok. Il y en a d'autres là-bas. Oh mais quel génie. On m'appelle le sniper. Ils vont faire le tour. Mon objectif c'est d'en éliminer le maximum. Eh ouais, c'est loupé. Je sais pas trop où il était, j'ai pas fait Ah. Oh putain, oh putain, oh putain. Saute le chat. Alors on est trop nul. Alors les bouseux. Ah, on sait pas quoi faire hein. Attention les yeux. Voilà. Eh bien écoute, ça va très bien Kendo, ça va très bien. Moi je suis content de jouer à ce jeu là.
ça me change un petit peu de mes jeux d'action et tout ça, donc mes jeux d'action, de mes jeux un peu plus dynamiques. Donc j'apprécie. Allez le pustule, ouvre-toi. Et maintenant mourrez. Voilà, impeccable. On est pas très en vrai, maintenant qu'on a ça pour les réduire en cendres, c'est facile, hein. Donc j'imagine qu'il va falloir que j'active le digicode. Vas-y B12. J'imagine qu'il y a Momo juste derrière. Ah. Pourquoi ça s'est pas ouvert? Si ça... Non. On est d'accord. Quoi? Ah, faut que j'ouvre les deux trucs. Oh merde. On va trouver le chemin. Oh non, les yeux, ils vont me ramener des méchants. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Ok, ça va. Ok, ça va, j'ai géré. Ok, ça va, j'ai géré. Hop là. Là, normalement, ils vont tous venir par ici. Attention les yeux. Encore. Encore. Non mais je suis trop fort en vrai. Hop, les derniers qui sont là, ça dégage. Eh, parfait. Oh putain. Je vais activer ceux-là aussi tant que j'y suis. Moi je veux, moi je les extermine, hein. Ils ont niqué notre civilisation. Aucune peine, hein. Oh, oh, oh. Oh, je suis en surcharge. Parfait. Ah, il y en a encore. Putain, je me suis retourné. Là, j'ai vraiment joué au son. Hein. Putain, on peut pas tuer les yeux. Dommage, ça nous aurait peut-être... peut-être servi. Parce que c'est les yeux qui appellent les monstres, là. Et donc là, on a la porte qui devrait s'ouvrir. Voilà, impeccable. Momo, c'est toi ? Non, y'a pas Momo. J'ai pas checké s'il y avait... parce que là, je me précipite un petit peu trop. Et s'il y avait un souvenir. Je pense pas, je vois pas. Y'a pas de... de zone où monter. Donc, je pense qu'il y en avait pas là. Ah, je suis deck pour l'autre souvenir. Ah, ça va me ronger. Je vais être déçu. Bon, bah, on continue, hein. Tout semble d'être ouvert, enfin en tout cas accessible à un 4. Donc on continue. Bonjour. Bonjour, enchanté. Tu veux être spoilé? Non, non, je préfère chercher. Au pire, je referai le jeu moins tranquille. Donc il n'y a pas de souci. Ah. Vas-y, cours, petit chat! On est dans la... Aïe, aïe, aïe! Non, je me suis trompé de touche! J'en ai marre, je fais que fuir dans les jeux! Il y en a qui ont la rêve parce qu'ils ont vu les vidéos. B12, il est dans la merde! Et salut, Commando Crispy! Comment tu vas? Bienvenue à toi! Putain, mais... Et c'est moi, il me jette des trucs, là! Ça a pas de ressembler à des tics, déjà? Oh, c'est chiant! Oh, c'est stressant! Aïe! Mais lâchez-moi! Longe les morts. Enfin, longe les morts. Longe les bords. C'est pas la même lettre. Ok, on passe à gauche. Raté, les Roumains, vous êtes des Roumaines. Ok, ça passe. Allez, t'as de l'endurance. Galop, galop, galop. À la Indiana Jones, oublie pas le chapeau. C'est bon. Plus de peur que de mal.
Je peux pas les manger, ah non. Je pense pas. Comme j'ai dit, ça ressemble plus à des furoncles, donc. Pas ouf, hein. Vas-y, démonte-le là. C'est bon, il est vivant. Je lui ai mis une tatane, ça l'a réveillé. Il avait surchauffé, il a voulu nous défendre. Il faisait noir. J'étais seul. C'est comme si j'étais revenu dans les réseaux. Ah, ça va, B12, arrête. Arrête de nous la faire à nous. T'avais juste plus de batterie. C'est comme quand t'as réanimé, enfin quand t'as récupéré, c'était pareil. Mais tu m'as sauvé, merci l'ami. Ben, merci à toi, c'est toi surtout qui m'as sauvé. Hein. J'étais en PLS, t'es pas venu avec tes petites lampes ultraviolets pour que je bronze, on était dans la merde. Fournir autant d'énergie a épuisé mon cœur. Le défluxeur est complètement détruit maintenant, on va devoir faire attention. Quoi? Oh non! Oh non, j'ai plus la lumière. Mais qu'il est con ce robot, mais qu'il est con. Comment tu veux? Comment tu veux? Vous avez vu ce vieux réflexe de merde où j'ai voulu remettre mes lunettes alors que je les ai pas? Réflexe de papy. Bon, j'ai plus la lumière violette bleue là. Chier. Merde. Alors, pirater le système de ventilation. Gauche ou droite? Bon bah la question est ne se pose plus. On passe par la droite. Il y a 10 minutes, le jeu est devenu plus simple. Effectivement, le jeu était plus simple. Maintenant, on va en chier sa mère. Je suis déçu. Moi qui pensais être débarrassé de ces zerks. Mais ça se trouve, c'était que scénarisé. C'était que pour dire, ouais les gars, c'était juste pour l'étape des égouts. Maintenant que vous vous êtes habitués, on va vous l'enlever. Comme ça, vous serez bien déçus. On va passer par la petite fente, hein. C'est bien, c'est que... Oh, yeah, oh, c'est... C'est le gardien? C'est Momo? C'est qui? Momo? C'est pas Momo, ça. Si, c'est Momo? Attends, je suis perdu. T'es qui, toi? Baladin. C'est con, t'enlèves le B et c'est Aladin. C'est... Ok. Malaise TV. Un voyageur venant des égouts. On n'avait pas vu des vôtres depuis des lustres. C'est toi qui nous a contacté un peu plus tôt? Petit Attendez, j'arrive plus à dire ce mot. Extérioriste? Voilà, extérioriste, ouais, c'est ça, extérioriste. Sbaltazar l'extérioriste t'attendait. Il est en train de méditer au sommet de notre village. Bonjour Baladin. La fourmilière. C'est sympa votre fourmilière. Par contre, c'est vrai qu'il y a des plantes vertes. Bon, oh putain. Ça, on dirait la tour Shinra dans Final Fantasy, Final Fantasy 7. Cette machine, le scientifique dont j'étais assistant l'utilisait comme ça. Il était malade, c'était son dernier espoir. Il est entré dans la machine. Mais je ne l'ai pas accompagné, il était seul. Que faisait-il? Il s'est envoyé dans l'ordinateur et tout a changé. Il y a eu un problème lors de l'envoi, il est resté bloqué des centaines d'années. Jusqu'à ce que ce petit chat apparaisse. Mon Dieu! Il se souvient. C'est donc ça! C'était ça! C'était moi! Le scientifique, c'était moi! J'étais humain! J'ai besoin d'une pause. Bah vas-y, prends-la ta petite pause. Ah, c'était donc ça, c'était un grand souvenir. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai pas lancé le temps du let's play, savoir quand est-ce que j'ai commencé. Bon nettoyage. Je fais une petite pause. Ça, c'est très con de ma part, hein. À 40. Ouais, j'ai dû le lancer. Je sais pas quand j'ai dû le lancer. J'ai dû le lancer à 40, donc ça fait 20 minutes. Ouais, donc dans 20 minutes. Quelque chose comme ça. Ok. Donc en fait, le scientifique, c'est B12. Ouais, en fait, t'as voulu rester en vie et tu t'es foutu dans le robot, c'est ça? C'est toi, Sbaltazar? Je pense pas. Je suis désolé, je. Pas tout de suite, j'ai pas envie de parler pour l'instant. Mais tu nous casses les pieds, nous comment on fait là? On a quelque chose à faire? Bonjour.
Ok, j'ai miaulé, ils en ont rien à foutre. Bonjour. Voilà. Chatastrophe. C'est pas grave, vous recommencerez une partie. Tu me fais des caresses quand même. B12 drama queen. Oh quoi. Je suis un génie pour être passé par là. Involontaire hein. Qu'ai-je oublié d'autre? Bah ton nom, prénom. Non. Je dois bien avoir des parents, des amis. Que leur est-il arrivé? Je voulais ouvrir la cité, mais reste-t-il seulement quelqu'un à sauver? Alors ta famille, je sais pas. Mais il y aura certainement d'autres personnes, oui. Bon, on va explorer. Est-ce que je peux passer? Oh oui, je peux passer par là. J'allais dire, est-ce qu'on va voir directement ce Balthazar? Ah bah c'est lui. Qu'est-ce que c'est? Tout va bien. Un chat qui a peur de la lumière bleue. Et tu ignores qu'on n'interrompt pas quelqu'un en pleine séance de méditation transcendantale? Ah, c'est toi! Tu étais avec Momo quand on a reçu l'appel? Je suis heureux de faire enfin ta connaissance, petit extérioriste. Tu connais Momo et Doc, alors tu nous connais aussi. Nous, les extérioristes. Ils me manquent. Leurs souvenirs m'apportent la paix. Momo est resté dans les taudis. J'ai entendu dire qu'il t'avait aidé à trouver Doc. Et Clémentine... Elle est au centre-ville maintenant. Si c'est... Je peux pas tout voir, je peux pas tout lire. Hop, remonte le truc. Si tu veux toujours voir l'extérieur, c'est elle qui pourra t'y emmener. Apparemment, elle avait une sorte de plan pour quitter la ville. Tiens, prends ça. J'ai écrit son adresse au dos de cette photo. Nouvel objet acquis. Donc c'est la petite Clémentine à côté ou c'est toi à côté? Je sais pas. Pour aller le centre-ville, monte dans notre petit village. Pour un être aussi agile que toi, ça ne devrait pas être si compliqué. Décidément, j'ai du mal. Si tu parviens à atteindre l'extérieur, tu seras le premier. Et je te souhaiterais bien bonne chance, mais tu en as pas besoin. Je crois en toi. Donc attends, lui, il est branché sur des télés. Il est chelou un peu. Désolé de m'être éteint tout à l'heure. Je suis humain, sans doute le dernier au monde. Et regarde ce qui reste de moi. Tant de souvenirs remontent à la surface. Comment avais-je oublié? Peut-être qu'en retrouvant Clémentine, on pourra restaurer ma mémoire et te faire rentrer chez toi en même temps. Peut-on redescendre pour obtenir des renseignements auprès des compagnons pour poursuivre en direction du centre-ville? Bon ben maintenant qu'on l'a trouvé, oui, on peut faire ça. Hein. Bon, j'imagine qu'il y a plein de trucs à récupérer également dans cette zone, il y a des ascenseurs. Je pense qu'on a dû faire la moitié du jeu. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Kukim. En fait, cette nourriture est horrible. Mais c'est tout ce qu'on trouve par ici. Je vais devoir me dévisser le boîtier frontal si je continue à manger cette saleté. C'est marrant qu'ils arrivent à parler comme ça les robots en vrai quand on y pense. Ils aient suffisamment... Oh, y'a quoi? Oh, je peux faire mes griffes là-dessus? C'est ça, non? Ah ouais, j'avais oublié. Toujours faire ses griffes, c'est important. Bonjour le custo, Nico. On me surnomme le chef conserve. Ma spécialité, c'est le surcyclage des restes. Plat du jour, ramen J45 avec mon ingrédient secret. On va pas savoir ce que t'as mis comme ingrédient secret, mon cher Nico. Ça ne nous regarde pas. Ah bah attends, t'es pas mal en vrai. Regarde, une jambe de chaque couleur. Plutôt pas mal. Petite chemise à fleurs. Non mais on est bien hein. Je peux aller sur la table? Je voulais voir ce qu'il nous dit Nico. Ah t'as un visage par contre, il est décentré. Sûrement parce que tu t'es battu dans ta jeunesse. J'imagine que c'est ça. Allez. On descend. Je vais faire de la balançoire. C'est tout, ça fait pas plus la balançoire. Oh je suis déçu, je vous cache pas. I am déçu. Héreux Aurore. Qui es-tu, toi? Kundelish. Oh, bien le bonjour. Nous n'avions pas eu de visite depuis si longtemps. Enfin, si on l'accepte, c'est satané Zerk, bien sûr. Imagine que l'on puisse contrôler leur puissance et faire les faire trotter dans une rue. Quel gâchis d'énergie. J'ai du mal à lire hein, aujourd'hui, je suis un peu en galère. Hein. Bilit.
Quand je serai grand, je vais être comme tante Clémentine. J'aimerais bien aller explorer le monde comme elle, mais les adultes nous ont interdit de quitter la fourmilière. Donc Bilit, c'est le neveu de Clémentine. D'accord, très bien, on retient ces informations importantes, on sait jamais, ça peut toujours nous être utile un petit peu plus tard. Il y a eu, ouais, il y a eu exercice d'articulation, mais là c'est juste que j'arrive pas à lire, c'est juste mes yeux qui sont pourris en fait. Isaac, 11 orques électriques partout. Quoi ? Des orques électriques ? Ouh, ça pue la merde ça. Hein. Attendez, hop, on va faire ces petites griffes bien sûr, parce que nous, on aime bien niquer les canapés en cuir à 4 millions d'euros. Voilà, le plaisir. Alors se rappeler, on a un petit élément. Les lunettes, elles sont dans ma chambre, posées, qu'elles prennent la poussière. Cette langue, les robots compagnons l'ont inventée à partir de rien. C'est très impressionnant. Je me souviens que ça s'est passé quand j'étais dans le réseau. Je ne sais plus exactement, mais à un moment, toutes les communications ont commencé à afficher ces symboles à la place. J'étais bloqué dans un ordinateur et seul pour longtemps. Alors j'ai traduit chaque symbole et chaque mot, un par un, jusqu'à être capable de tout comprendre. Maintenant que je suis sorti, je peux comprendre leur langue. Je suis curieux d'entendre ce qu'ils ont à dire. Bon, bah, il ne nous montrera qu'un seul souvenir. Je suis dégoûté. Hein. Vraiment, pour un, j'aurais pu faire un perfect d'entrée. Ça aurait été génial. Bonjour, mesdames. Mumuche. Je raffole de l'odeur de la peinture fraîche. Ça me rappelle que... Oh, attends. Je ne sens rien. Comme c'est triste. Ça va, tu nous as fait une brouque, toi. Sorès. May est dans sa période déconstructive, selon elle. Je suis sûr qu'elle deviendra une grande artiste. Si seulement elle pouvait aller se faire la main ailleurs. Ah, est-ce que lui n'aime pas l'odeur de la peinture? Mais t'as pas de nez, tu sens rien! Lui, c'est le relou de base. C'est sûr. Donc c'est toi, Sorès? Non. Qu'est-ce que j'ai de la merde? Ah oui, May. Savais-tu qu'il existe plus de 900 nuances de peinture blanche? Ne le répète à personne, mais je suis en train de créer ma propre nuance de peinture. Je vais l'appeler Brun Camelot. D'accord. Si c'est... Tu veux... Alors par contre la musique est plus sympa que ce que nous jouait notre cher guitariste. Hein. Je suis désolé pour d'avoir niqué votre jeu. Hein. Marie. 9536 parties gagnées à 6. Ne répète à personne qu'en réalité je suis programmé pour gagner à ce jeu. T'as quand même perdu deux fois. Hein. Avec que les 900 couleurs par cœur. Je sais pas, faudrait lui demander. Statistiquement j'aurais dû gagner au moins 8 fois. Ouais, bah t'as perdu, c'est ce qu'on retient. Oh! Je suis sûr, ça va la vénère. Oh, je suis déçu! Mais pourquoi tu dis rien? J'ai fait tomber ta peinture! Allez hop, on se casse. Elle veut pas râler apparemment, donc tant pis. Hein. Moi, je fais tout pour que les gens y râlent. Bon, bah, je pense que j'ai parlé à tout le monde en vrai. Je suis passé par là? Ouais, je suis passé par là. Donc j'ai fait tout le rez-de-chaussée, j'ai fait le tour de l'arbre. Ah, je peux plus passer par là. Ah, ça c'est con par contre. Ça c'est vraiment con. Heureusement nous sommes malins. Et nous sommes agiles. Like a cat. Qui es-tu toi? Rencontré. Alexander. Le bruit à présent des déchets qui tombent. Cascade scintillante, sans danger. Quel lieu merveilleux où ciseler ma poésie. Tiens. Écoute, toi, puissant béton, bouclier noir et sombre, seras-tu aussi ma tombe? Tu trouves ça trop pompeux? Non, en vrai, c'était pas mal. Hein. En plus, je l'ai bien lu. Genre, on sent que j'ai l'expérience là-dedans. On sent que ça passe. Bon, on continue. Je crois qu'il y avait personne de l'autre côté. Ah bah si, il y avait Michel. Ouais, il y avait Michel. Donc il fallait qu'on passe par là, mais c'était pas ce qui nous intéressait. Donc ça, c'était là où il y avait Nico. Nico Saliagas de la Star Academy. Alors par contre, comment j'accède à l'étage? Ah bah, une échelle. Vous allez me dire qu'il est peut-être plus compliqué, mais moi je fais au plus simple. Et je vais également voir s'il n'y a pas des choses à récupérer. Apparemment, non. En tout cas, je ne crois pas, je ne vois pas. J'avais pas un... Ah non, je confonds entre les jeux. Je me demandais si j'avais un laser, un radar. C'est dans Death Stranding.
Ok, étage nouveau, qu'est-ce qui est écrit sur le tapis? Ah non, c'est pour se faire les griffes sur le tapis. Ouais, qu'en plus il est en maille, je peux te dire que là, ça régale. Bonjour madame, ou bonjour monsieur, Malo. Salut l'ami, comment vas-tu? Tu savais que tante Clémentine nous a appris comment faire pousser des plantes spéciales qui peuvent vivre sans lumière du soleil? J'en ai une énorme collection. Tu veux la voir? Mais il me manque encore certaines couleurs. Il me manque une fleur jaune, une fleur rouge et une fleur violette. Si seulement quelqu'un de petit et agile pouvait m'aider à les trouver. J'ai pas retenu les couleurs, mais j'ai compris que je devais lui récupérer des fleurs. Comment je lui récupère des fleurs, je ne sais pas, mais... Il va falloir que je m'y mette. Pff, je m'ennuie. Tante Clémentine faisait classe ici. On a appris plein de trucs sympas. Donc je pensais que vous étiez tous de la même famille, en fait non. Tout le monde appelle tante, quoi. Comment je passe de l'autre côté? Comme ça. Yes! Je suis en train de me poser une question si je peux pas faire tomber les plantes dans la peinture. Genre, véritablement, je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça, là. Non? Parce que là, j'ai mes pattes pleines de couleurs, mais peut-être ça change rien. Putain, il voulait des fleurs? Mais comment il voulait des fleurs? Vous avez vu que est-ce que vous avez dû des collectibles, genre, en termes de fleurs? Peut-être pas, peut-être que j'ai rêvé, je sais pas. Peut-être des fleurs comme ça? Putain, y'a un bruit chelou, là! Calme-toi! Là, si je descends, ça m'emmène où? Oh, j'ai pas envie de descendre... Bon, vous savez quoi, je vais continuer. Si je vois que direct ça m'emmène trop et que je pourrais pas revenir, je referai demi-tour. En vrai, pour le moment, ça a l'air d'aller. Je suis sûr que si je vais là-haut, je pourrais jamais revenir. Ah, si je peux toujours revenir. Bon bah les fleurs ça sera pas pour tout de suite hein. Ou alors peut-être qu'on va revenir ici. Bon qu'est-ce qu'on fait? On continue? Allez on continue, c'est pas grave. Les fleurs, j'ai rien vu qui s'apparentait à des fleurs. C'est pas grave. Le village à vertical est plus simple. Ah ouais, surtout si on doit chercher un distributeur. C'est vrai que c'est plus simple. Bon bah tant pis, les fleurs ça sera pas pour tout de suite. Nous on veut retrouver Clémentine. En vrai, j'aurais pu chercher. Hein. Utiliser objet. Donc il va me falloir une batterie, certainement. Que je n'ai pas. Est-ce que je peux revenir dans le... Non, je peux pas, alors que... N'importe quel chat malin aurait pu revenir. Mais attendez, je suis bête un peu. C'est vrai que j'ai pas regardé l'objet. C'est une photo de Clémentine et de Sbaltazar. Il nous a dit de trouver... C'est une extériorité aussi. Il y a plusieurs symboles écrits au dos des photos. Oui, mais je peux pas voir derrière les photos? Non, apparemment, je peux pas... Attends. Examiner, faire pivoter. Ah bah si. 3 points verts, 5 points rouges et un signe chelou bleu que je comprends pas. Bon. Bon, au moins on est fixé, au moins on a vu, hein. Passera pas pour un débile. Alors, qu'est-ce qui s'annonce ici? On est dans un métro? Regarde, c'est une station de métro. J'avais complètement oublié que ce moyen de transport avait existé. On pouvait aller partout en ville, les gens s'en servaient pour aller au travail, je le prenais aussi. Chaque matin, après avoir dit au revoir à ma famille, chez moi. Je me rappelle, c'est pour eux que je le faisais, mais ils sont partis maintenant. C'était il y a longtemps. Ils voulaient voir l'extérieur, mais est-ce que ça a encore une quelconque importance? Que leur est-il arrivé? Que sont-ils devenus?
Eh bien, je ne sais pas. Mais on doit toujours retrouver Clémentine, effectivement, mon cher B12. On a une photo d'elle. On peut la montrer aux compagnons du secteur. Ils nous montreront peut-être le bon chemin. D'accord, donc t'es en train de me dire que je me suis trompé, c'est ça? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Le timer, effectivement, monsieur. Vous tombez à pic parce que, eh bien, nous sommes à peu près à 40 minutes pour notre épisode. Donc, eh bien, nous allons nous arrêter là pour cet épisode numéro 4. J'espère qu'il vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vert ou un petit commentaire si celui-ci vous aura plu. Nous, on va continuer en live, bien sûr, toujours sur Twitch. Et puis, les autres épisodes pourront sortir à la suite. Allez, gros bisous tout le monde et à très vite pour l'épisode prochain. Salut tout le monde !